Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes ce soir en direct de la Maison de la Culture d'Amiens. On a l'immense plaisir d'accueillir Henri Texier, Henri Texier en trio avec Gauthier Garrigue et Sébastien Texier et puis au son Boris Darley. Et pour nous c'est une immense joie parce que Henri fait partie de la maison depuis toujours quasiment, en tout cas depuis qu'on a créé le label bleu, le label qui l'accompagne depuis le début. Et donc c'est une chance, un plaisir et je dirais même un honneur de pouvoir faire cette retransmission en direct, j'allais employer un mot anglais, ce soir, qu'on fait devant un public très restreint de quelques professionnels qui sont là aussi pour qu'il y ait aussi la chaleur d'applaudissements. C'est le festival Amiens Tout Monde qui aurait dû se dérouler cette semaine à la Maison de la Culture. Et dans ce festival, eh bien, il y a beaucoup de jazz. On accueillera Édouard Perrault prochainement, que vous retrouverez aussi sur les réseaux et sur les pages numériques de la Maison de la Culture. Et puis, ce festival, il se poursuit avec d'autres artistes, puisque demain, jeudi, nous accueillons Elsa Abderrahmani, artiste plasticienne en résidence de travail à la Maison de la Culture. Et vendredi, nous accueillons Jeanne Lazare, qui aurait dû présenter son spectacle « Jamais je ne vieillirai ». Et puis d'autres rendez-vous avec Vincent Fontaneau, également artiste invité dans le cadre du festival Amiens Tout Monde. Ça se déroulera la semaine prochaine. Ce programme sera disponible à nouveau sur les liens de la Maison de la Culture après cette retransmission en direct ce soir. Et donc j'ai le plaisir de laisser la place aux musiciens et de vous souhaiter un excellent concert. Merci.
Merci beaucoup. C'était une très très ancienne composition d'un très grand compositeur historique qui a écrit énormément de magnifiques mélodies et qui s'appelle Cole Porter. Et cette composition, c'est ce qu'on appelle un standard, s'intitule Love for Sale, Amour à vendre. Et pour continuer, une toute nouvelle composition que nous n'avons jamais jouée en public. Et celle-ci est dédiée à quelqu'un qui m'a toujours beaucoup touché. Et elle s'intitule Bakri Zmoud. Bakri Zmoud. Thank you.
Merci, merci beaucoup pour Jean-Pierre Bacri. Et maintenant, un autre chef-d'œuvre de l'histoire du jazz, celui-ci composé par Thelonious Monk et Cootie Williams. Tout le monde connaît cette magnifique chanson qui s'intitule tout simplement Round About Midnight.
Thank you.
Merci beaucoup. Maintenant, nous allons jouer une composition de Sébastien Texier, qui, elle, n'a pas de titre. Il n'a toujours pas trouvé de titre. C'est une toute nouvelle composition que nous n'avons jamais jouée encore. C'est la première fois pour vous ce soir. Thank you.
pour continuer, une autre composition originale, mais celle-ci de Gauthier Garrigue. Et c'est une valse qui s'intitule tout simplement Forest, Forgive Them. Forêt, pardonne-leur.
Toute nouvelle composition, première mondiale également, celle-ci s'intitule « Apple Love Call », ça veut dire « L'appel d'amour de la pomme ». Voilà, appel, l'amour d'appel de la pomme. Merci. Thank you.
Normalement, on sort, on revient, on sort, on revient, on sort, on revient. Mais comme c'est une soirée vraiment exceptionnelle, une soirée d'occupation, non ? On n'est pas un peu en train d'occuper un lieu culturel là ? On dirait qu'on fera un concert, mais en même temps, on occupe un peu quand même, quoi. Hein ? Et pour vraiment terminer, ce magnifique moment, en tout cas pour nous-mêmes, je ne sais, vous, bon, chacun vit à sa façon, mais nous, c'est vraiment miraculeux. On a tellement, tellement peu joué depuis tellement longtemps. Merci mille fois. Merci beaucoup, merci infiniment, du fond du cœur. Pour terminer, une composition qui s'appelle tout simplement Izlaz, en serbo-bosnio-croate, ça veut dire sortie, Izlaz, vivement qu'on en sorte.
Merci beaucoup, Sébastien Texier. Gauthier Garrigue. Au son, Boris Darlet. Merci, merci, merci beaucoup, beaucoup à toute l'équipe, à tout le monde, à toute l'équipe de la Maison de la Culture d'Amiens. Vraiment, toutes les personnes qu'on a rencontrées sont merveilleuses. Merci infiniment.